Bonjour à tous, c'est les petites elfes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Il s'agit là d'un unboxing, pas tout à fait littéraire, mais qui concerne la beauté. Ça fait un certain moment que je me renseigne à droite, à gauche, sur internet, sur les différentes box beauté qui se font, et mon choix s'est arrêté sur la Bitrousse. C'est mon ami Everbook qui m'a conseillé cette box en disant que les articles étaient en full size, donc en taille réelle, et non pas en miniature ou en échantillon un peu moyen. Je suis allée sur le site, et en fait, Bitrousse propose différentes box selon la saison, selon les besoins. Moi, je me suis pencher sur la box hivernale puisque on a la possibilité de voir l'intégralité des produits qui nous seront envoyés, et ce qui a été proposé dans cette box m'intéressait fortement. De plus, elle était en promotion, donc j'ai eu cette box à 29€ hors frais de port. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 33, et elle était donc en promotion, je crois, à 30%, et la valeur intégrale de la box vaut 192€. Elle se présente, comme vous avez pu le voir dans la miniature, comme ceci. Et on va l'ouvrir ensemble. Alors, la carte postale, découvrez la trousse hivernale, donc avec l'ensemble des produits proposés. Pour information, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 produits pour 29€. Ménophytea pour ventre plat, il s'agit de capsules. À partir de 45 ans, merde, c'est pas pour moi. À base de carvi, de menthe et de calcium et de vitamine B6. Donc le carvi aide à limiter les ballonnements. La menthe et le calcium participent à une digestion normale. Et la vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale. Ils disent à partir de 45 ans, mais ça se trouve c'est très bon pour des gens de mon âge, donc d'une trentaine d'années également. A voir, je m'en renseignerai dessus. Nous avons ici un diffuseur nomade qui se branche sur USB de la marque Phytosun Arome. Diffuseur par ultrason. Qu'est-ce qu'ils disent? Inclinable. 4 heures, il a une autonomie de 4 à 25 heures d'utilisation, enfin une autonomie, sachant qu'il est branché, c'est pas vraiment une autonomie. Les élastiques de 200 Paris, donc 4 élastiques pour les cheveux. De la marque Dr. Séverin, un body aftershave balm for women, donc en français c'est de la crème pour après rasage à appliquer sur le corps. C'est à base d'amaryllis, de menthe et de romarin. Dites-moi si vous connaissez. Dites-moi également en commentaire si vous avez déjà testé la Bitrousse ou d'autres box beauté, et en particulier si vous m'en conseillez une. Quand je vous dis que c'est du full size, c'est du full size. Ici on a un lait douceur pour le corps à l'extrait d'avoine de la marque Riva Douce, et c'est une... Il y a une contenance de 500ml, ce qui est quand même assez énorme. Nous avons également un gel douche. Ah oui, celui-là, j'étais très très curieuse de le tester. À base d'argan bio et de monoï, ça doit sentir l'été et la plage. J'adore l'histoire du monoï, c'est juste une tuerie. Donc 500ml également en contenu. Spray sommeil relaxation, c'est un produit bio. Et en fait, ça se spray sur les têtes d'oreiller, sur les couettes, etc. avant de dormir, pour avoir un sommeil vraiment relaxant et réparateur. Ici, nous avons un petit coffret de 3 produits Discovery Kit, donc un kit découverte, de la marque Boots, anti-âge. Donc il y a un sérum, de la crème de jour SPF 15... et une lotion nettoyante pour le visage de 30ml. Donc c'est vachement bien, je trouve, ce format quand on voyage, quand on part en week-end, ce qui est mon cas très bientôt. Donc je l'embarquerai et je le testerai à ce moment-là. Il y a également de la marque Longerie un petit vernis très joli. Un peu un rose nacré foncé, je sais pas si vous voyez bien. Je trouve que la couleur est toute mignonne. Une crème de jour ou de nuit pour la peau sensible qui apaise et qui protège à 85%. Nous avons également un produit de la marque Biosul qui s'agit d'un traitement à base de soie. Alors ça, j'adore. Ouais, par contre, c'est un petit flacon. Je suis un peu déçue, je pensais que ce serait beaucoup plus gros. J'adore, j'en ai un grand là que j'utilise très régulièrement pour démêler les cheveux, leur donner une bonne odeur. C'est trop trop top. Ensuite, pour avoir des dents blanches et une haleine fraîche, des chewing-gums. Soins pour éclat et blancheur à base de menthe sans sucre, ce qui est pas mal, ce qui peut dépanner, à mettre dans le sac à main. Et enfin, on en vient au dernier produit, qui est un concentré régénérant de la marque Yonka. C'est un sérum aux huiles essentielles. Voilà le contenu de ma box. Je suis plutôt contente. Il y a certains produits que j'ai vraiment hâte d'essayer, comme le spray parfumant relaxant pour dormir, le gel douche à base de monoï, le lait pour le corps, même les chewing-gums, donc le truc de soie pour les cheveux.
le kit de découverte, sérum, lotion et crème. Et voilà, et la crème pour les jambes aussi, j'ai bien envie d'essayer à ma prochaine séance d'épilation. Je suis un petit peu déçue, on va dire, enfin pas vraiment déçue, mais étonnée que le ventre plat ce soit pour les femmes à partir de 45 ans. Donc moi je pense franchement que je vais quand même essayer. Donc pour ce montant de 30€, je suis vachement contente parce que ce sont des vrais produits et que si je les avais achetés moi-même en magasin, j'en aurais eu pour beaucoup plus cher. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes convaincue, si vous avez envie de vous laisser tenter. Je vous dis, il y a eu une box sur les produits plus ou moins liés avec l'arrivée de l'été, du printemps, donc préparer sa peau, etc. Il y a la box vraiment un petit peu pour lifter la peau, donc peut-être pour les femmes d'une génération supérieure à la mienne. Il y a aussi pour les jeunes mamans, donc je trouve que c'est assez pas mal. Le fait de pouvoir voir les produits comme je vous expliquais en début de vidéo, c'est également sympathique. Alors comme vous pouvez voir, j'ai changé mon cadre également pour cette vidéo et je trouve ça assez confortable, on va dire, moi à mon niveau, d'être assise pour vous parler. J'aimerais bien avoir votre avis, savoir si ça vous plaît. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à partager et à me laisser un petit mot. Et je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à très vite. Bye bye.